Salut à tous, c'est Seez, on se retrouve pour la suite du mode mon équipe sur NBA 2K15. Alors, on a gagné notre premier match, on était bien, c'était la première fois qu'on composait notre équipe. Là, on va faire un petit pack, on va ouvrir un petit pack ensemble et puis après, on va jouer le deuxième match. Donc voilà, on est toujours avec Kanan, Lamb, Jones, Teletovic et Pachulia. On a un banc qui est assez sympathique, mais pour l'instant, on n'a que des joueurs bronze et Jérémy Lamb qui est notre star en joueur argent. En plus, c'était un des joueurs que je préférais sur le 2K13, un des jeunes. Donc voilà, allez, on va packer un petit coup, on va se prendre un petit pack bronze parce que de toute façon, au début, on a besoin que des joueurs bronze pour le début du mode en route vers les playoffs, le mode en ligne. Donc voilà, on va prendre un petit pack, le premier pack, on va le tester hein, à 1500. On va prendre les MT, les Manager Points, en gros, c'est ça. Transaction bien effectuée, le pack, qu'est-ce que ça donne? Allez, on choisit classique visiteur des Wizards, un petit contrat plus 3, un passeur spectaculaire et une carte Trailblazer avec la carte Della Vedova des Cavaliers de Cleveland. Alors, on va tout de suite aller regarder ce que ça donne sur gérer l'équipe. Alors, c'est pas là. Bon, le maillot des Wizards, j'aime pas trop. La stratégie, ça a pas bougé. Le parc, ça a pas bougé. Et on a un nouvel écusson des Blazers, mais on va garder. Ok, si. Pour nous, on va aller regarder rapidement quel est ce fameux renouveau remplaçant. Ouh là 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 là, c'est bon ça. Un 72 en MJ, Della Vedova. Les stats, on va regarder ce qu'il a. Contrôle du ballon, passe. Le compte contesté, vitesse 82, détente. Après le graphique des stats, il est bon, il est parfait. Il est à 72. Alors, il mériterait presque de remplacer notre Ish Smith. C'est ce qu'on va faire. Donc, Ish Smith va être remplacé par Della Vedova, qui sera en concurrence donc avec Kanan. Mais bon, Kanan, on l'aime bien, donc ça va être difficile de déloger en joueur bronze. Mais bon, c'est une bonne recrue. Et de l'autre côté, on va peut-être on va aller peut-être mettre lui sur la liste des transferts. Peut-être pas, parce qu'il est quand même sympa. Donc on va se le garder sous le coude pour l'instant. Allez, on est parti pour le match. On va se faire un match sûrement en mode résumé. Et on va commenter sûrement une plus grande partie du dernier quart-temps. Donc voilà, l'équipe, elle est prête. On est parti. On joue sur le mode en route vers les playoffs. C'est notre deuxième match. On a gagné du coup 68-57 contre un ami du PSN. En plus, on est tombé sur lui. C'était assez drôle. Et voilà. C'est parti. Allez. Bon bah voilà, deuxième victoire. On est bien. Green un peu moins bien joué, on l'avait fait baisser dans la rotation en nombre de minutes. On a préféré le nouveau, Della Vedova. Et il s'est très bien comporté en tant que meneur, super fluide en tant que meneur doublure. Écoutez, c'était un match du coup bien pour nous, on va continuer. On va regarder peut-être. On gagne 902 points. Et il faut qu'on gagne la série numéro 8, c'est 3 matchs. Et on aura un pack en récompense. Bah écoutez, on va voir. Voilà. On va revenir à l'écran d'accueil. C'est assez énorme, on prend vachement de plaisir à commencer cette saison vers les playoffs. On a notre petite équipe qui en est déjà à 2 victoires, notre équipe bronze, avec Jérémy Lamb en star, joueur argent. Allez, on est parti, c'est le troisième match, on joue la montée là. Donc ça rigole plus, c'est le match qu'il faut gagner
pour faire la montée et sortir du tour de qualif, rentrer dans les playoffs. C'est chaud, c'est chaud. Allez, Money Time, c'est le dernier carton. Tout va se jouer sur la fin. Il y a Kevin Durant en face. C'est un peu ça le problème. Brooklyn leading by three. So for Brooklyn now, here's a lot of the job there with Perry Jones. There's Jeremy Lamb. Then there's Pachulia. And it's Cannon in the one spot. Yes. Ouf. Il était bien vu celui-là. Histoire de mettre un peu la pression. Eh oui, KD, forcément. Oh là 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 là, l'erreur. Qu'est-ce qui m'a fait ça, Canan? C'est l'égalisation. Bien joué. Oh, là là, c'est injuste. C'était un peu osé aussi. Pas déconner quand même. Ouf, cette interception de ouf. Ouf. C'est serré, c'est serré. KD contre Jeremy Lamb. Ouh, c'est énorme. Bien joué Daniels. Oh. Il revient à un point. Daniels kicks to Pachulia. Pass to Kanan. To the paint. It's deflected. And there's Daniels. Ça passe. C'était temps. Eh oui. Bah pourquoi? Il n'y a que 5 points d'écart. Qu'est-ce que tu fais, mec? N'importe quoi. Je mène que de 5 points en 2 minutes. Bon, bah voilà, il a été écœuré, je sais pas pourquoi. Bon, bah écoutez, on va regarder quand même les stats. Hein. Il a quitté. Incompréhensible. Incompréhensible. Du coup, on n'a même pas le résumé du match, rien. On est là, on accède à la division 8. C'est énorme. On va pas packer pour l'instant, les packs ce sera pour une prochaine fois. On va sûrement packer un pack or direct, un pack à 4000, les plus chers. Et voilà. Donc c'était 6, on est qualifié, on monte d'un niveau dans cette route vers les playoffs avec notre équipe, avec notre Jeremy Lamb. On va essayer d'avoir un joueur or bientôt et puis on va continuer surtout à monter les échelons. Voilà, c'était 6, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt, ciao!